essayé de faire un truc pour que le jeu fonctionne facilement, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de faire en sorte que ma batterie d'ordinateur fonctionne, ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne là, mais bon, voilà. Du coup, maintenant, je voulais avoir le temps quand même de faire d'autres trucs. Ça n'a pas fonctionné. Bon. On va voir si le PC va brûler. Bon, j'espère que ça va bien, Strega. Ouais, j'ai commencé la journée sur les chapeaux de roue de la loose. C'est incroyable. Bienvenue, bienvenue. On va jouer à Astronir. Mais d'abord, on va peut-être devoir choisir la radio. Parce que bon, je sais que je donne des informations comme ça en disant « Ouais, on va avoir une radio défectueuse, etc. » Mais en fait, c'est une blague avec moi et moi-même. Et je comprends bien que personne ne comprend. Donc, on va checker si LibreWolf peut te faire tourner Radio Garden. Radio Garden qui est qui est un truc pas mal que je vous ai déjà montré. Mais je vais vous remontrer. Chercher mon café. Alors, Radio Garden, est-ce que je peux vous montrer ça? J'ai ouvert la fenêtre, ouais. Je devrais pas, il y a des travaux dehors. Radio Garden, bim. Continue vers le site HTTP. Ça requiert du web de gel, super. Du web gel. Ça sent le retour de Skateboard? Non, pas du tout. Skateboard, à la limite, ça brûlait. Mais oui, on va faire un truc un peu tranquille. Par contre, j'aurais bien aimé qu'on commence à 10h, mais... Ça a décidé à ma place. Ah. D'ailleurs, je vais commencer à préparer mes affaires, parce qu'il faut que... j'attrape l'épice. Donc... On va aller utiliser Radio Garden. Je sais pas si vous ne connaissez Radio Garden, du coup. Je vous montre. S'il te plaît, respecte-moi, OBS, aujourd'hui. S'il te plaît. Pourquoi j'ai tout cassé? Ok, j'ai tout cassé la dernière fois, mais c'est pas... Voilà, bonjour. Voilà, bienvenue dans Radio Garden. Radio Garden, du coup, c'est... J'ai coupé le son. Radio Garden, c'est un endroit où on peut aller chercher la radio. Ah, ça a l'air fluide. Hein. Un peu partout dans le monde. Donc là, vous pouvez voir. Apparemment, c'est Paris. Pulse Radio. C'est peut-être ce que j'ai cherché la dernière fois. Mais on peut faire du browse. Par exemple. D'ailleurs, je sais pas où ça passe, mais il faudrait que je vérifie. Il y a une radio spéciale Diaspora, par exemple. Ça peut être pas mal. Rare tongue. Ouais, c'est... Voilà. On va avoir du cringe comme ça. Hein. On va faire Musical Roots. New Orleans. On commence par New Orleans. Ça vous va? Donc l'idée, c'est de choisir votre radio. Ouh là là, ça rame de... c'est beau la ramitude. Pourquoi ça rame? Mais je t'ai dit, là... Mon ordinateur qui a décidé de mettre à jour maintenant. Mais niquez-vous, en fait. Genre, je vais pas lancer du tout un jeu qui pèse 500 kilos, quoi. Donc voilà, ça, c'est Radio Garden. Et je vous... du coup, je vous donne le lien. Je vous laisse choisir une radio au pif. Et on fera des interruptions comme ça dans le jeu, à écouter des trucs. Voilà. Là, on est New Orleans. Ça s'appelle WWOZ FM 90.7. Et je vais lancer Astronir tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi la radio est importante. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de radio dans le jeu.
Je vais censurer d'abord, histoire qu'il n'y ait pas d'informations de connexion. C'est-à-dire radio locale et web partout dans le monde, ouais. Là, c'est bon, ça a l'air d'être bon, là. Oh, mais dis donc, est-ce que mon ordinateur peut supporter la charge d'un jeu comme ça? Non. What the fuck, man? C'est possible que ce soit local aussi, parce que c'est des web radios, donc ça peut être local aussi. Et voilà. Bon, j'avais déjà joué à Astronir. Je vais faire un petit truc, c'est-à-dire enlever l'aperçu. C'est-à-dire jouer sans me voir. Et ce qui va permettre d'alléger un peu la consommation de ce jeu. Et on va faire une nouvelle partie. En mode aventure. Nous sommes envoyés. Vous allez voir, c'est très joli. Et le jeu qui est... le jeu. Et voilà. Je suis officiellement sur une nouvelle planète. Alors voilà, donc apparemment il a déjà terraformé le sol. Donc je peux viser comme vous pouvez voir avec la lampe que je vois. J'ai un petit truc qui me permet de me balader. Vous voyez le petit fil, c'est l'oxygène. Si tu veux la partager, n'hésite pas. Là, c'est nos endroits de connexion. Vous pouvez voir, il y a un connecteur. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. J'ai joué 17 heures la dernière fois et ça a l'air de bien tourner là. Je sais pas pour vous si ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des lags? Okay. Ça a l'air d'être cool. Donc, on est sur une nouvelle planète. On n'a pas de... Voilà. Donc, en fait, je suis relié en oxygène uniquement à mes machines. Donc, du coup, ça va un peu se passer comme ça. Il y a un journal de mission. Si je me balade, on peut sauter, hein, bien sûr. Si je me balade, voilà, j'ai plus d'oxygène. Et vous allez voir derrière, il y a le petit truc qui va marquer A. Voilà, je commence à perdre de l'oxygène. Et ce qui est les barres jaunes, c'est l'énergie de mémoire. Je peux indiquer des trucs parce qu'on peut jouer en multi. Je me rappelle plus des touches, hein, donc on va faire les trucs au fur et à mesure. Mais d'abord, il faut que je vous dise que il faut que j'épice ma vie. Donc désolé, on va checker le journal d'émission. Comment qu'on fait ça? Donc, là c'est le journal d'émission, il y a plusieurs petits trucs à faire. Vu qu'on vient de débarquer, l'idée c'est qu'on va d'abord faire, à chaque fois qu'on va arriver à cette journée, le journal d'émission, on aura le choix de pouvoir changer la radio. Comme ça on peut se dire que c'est notre endroit où on change la radio. Donc Strega, si tu retrouves ta radio, bah, on peut la mettre. À la base, je voulais faire vraiment un truc horrible, c'est-à-dire de faire un randomisateur des radios de France. Et donc du coup, comme il y a 99% de trucs qui est pas ouf, voire nul, je me suis dit que ça allait être l'enfer pour vous. Et après, j'ai été sympa, je me suis dit on va faire Radio Garden et on va faire par rapport à ce que au Discovery qui propose. C'est un peu mieux. Donc là, ce qu'on doit chercher justement de faire, c'est des oxygénateurs et une petite imprimante. Les petites imprimantes, vous allez voir, c'est des imprimantes entre guillemets 3D qui permettent de faire justement des outils de différentes possibilités. Donc là, par exemple, si je fais ça, si j'accepte le colis qui n'est pas du tout Amazon, on va pouvoir avoir accès à pas mal de trucs. Pour une émission de punk qui passe toutes les deux... Non, mais c'est justement,
Moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, le truc, le. En fait, je me suis dit, on pourrait faire des podcasts et tout. J'ai cherché un truc qui est un peu un fond sonore, quoi. Voilà. D'ailleurs, là, je crois que j'ai choisi rare base musicale. Donc là, on est du côté New Orleans. Mais on va peut-être aller ailleurs. Vu qu'on est. On va faire le test maintenant. Pardon pour les bruits. On va aller changer tout de suite le son. Je mets la deuxième. Alpha Boy School Radio en Jamaïque. Donc ça va être un peu de reggae, je pense. Il y a du reggae et du ska. Ça, c'est cool, ça. Hop. Donc j'accepte le colis. Et après, ils disent les bases d'Astronir. Déballe l'oxygénateur, installe l'oxygénateur dans l'abri, connecte l'imprimante à l'abri. Ok, bon, bah, c'est. On valide. C'est où? Ah, il est là. Donc, F. Et là, faut que je. Place. Mon oxygénateur. Parce que là, il n'y a pas d'oxygénateur autre que celle de survie. Je mets là. Et je le déballe. En fait, je peux le déballer. Et après, il se met ailleurs, mais bon, vous avez compris. Et là, donc, ça oxygène. On continue. Là, j'en ai un autre. Ça, c'est bon, on a déjà fait. Connecte l'imprimante à l'abri. On n'a pas l'imprimante encore. Elle est où? Elle est là. Alors, c'est un peu de l'optimisation d'espace aussi. Donc, on va faire ça bien. On a besoin d'avoir un endroit de création. Là, je vois qu'il y a de l'électricité, donc on va se mettre là. Ah oui, moi j'étais un peu. Comment on rotate déjà? Voilà, désolé pour les bruits de porte. Et du coup, on prend le connecteur et on connecte. Et voilà, donc ça c'est le début. Maintenant, il va falloir que je y trouve des trucs, pour, donc des ressources pour pouvoir faire fonctionner cette imprimante. On va aller voir notre journal de bord. Apparemment, j'ai gagné 2-3 trucs qui sont des petites bonbonnes. Vous allez voir ce que c'est. Donc ça, on peut le mettre dans le dos. On peut le mettre sur le côté, etc. C'est des petits trucs qu'on peut trimballer. Ça nous permet de faire des points de passage, ça. Des rallonges d'oxygène. Donc, on va l'utiliser. Ah, mais ça ressemble pas du tout à ce que j'avais avant. C'est rigolo. Donc, le but, c'est quand même d'utiliser au maximum l'espace. Donc, on va essayer d'aller au maximum du truc. Comme vous pouvez voir, ça se lie aux autres machines. On va aller au maximum. Ensuite, on en a plusieurs d'autres. Donc ça, je peux le mettre dans mon dos, comme je l'ai dit. Je peux les utiliser avec T. Maintenant, je peux me balader un peu plus loin. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir, hein. Bien sûr, la Terre, il y aura plein de trucs qu'on pourra modifier, mais on appelle ça terraformer, mais là, en vrai, je pense pas que ce soit des petits bonhommes. Bon, c'est des humanoïdes, mais on sait pas ce que c'est. Ah, ça change les rallonges, c'est rigolo. Ici. On va faire la montée. Que de mémoire, la descente est rigolote. Et on continue comme ça jusqu'en haut. Ah oui, on peut découvrir des régions, bien sûr. Il y a une sorte de mystère de corps de la planète, hein, bien sûr, à découvrir. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais c'est assez intéressant. Et oui, on peut aller à 90 degrés presque.
Comme les Dahus. Ça ressemblait plus à ça, les premiers. Faut être là pour l'instant, le temps que j'arrive. Ah! Il y a des... Apparemment, il y a une capsule... Quelqu'un d'autre. Je peux poser autant de relais que je veux, que j'ai plutôt. Là, par exemple, celui-ci, je peux même le tirer un peu plus, je pense. C'est des relais d'oxygène, donc en vrai, ça dépend de... Ah! Quelqu'un qui est mort ici. Donc là, il y a un filtre d'oxygène, ça serait pas mal à récupérer. Là, il y a un sac à dos abandonné. De quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un est mort ici. Donc... Ça, c'est les autres machines qu'on peut avoir. Une centrifuge de terre, un broyeur et une plateforme d'échange. Donc, en vrai, vous comprenez, hein, c'est... On essaye de survivre dans un endroit qui n'est pas hostile pour l'instant. Hein. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hostilité, d'ailleurs, dans ce jeu. Voire pas du tout. C'est pas que je voulais jouer après Baldur's Gate, parce qu'il n'y a pas d'hostilité dans le jeu. Alors, on va avoir un problème sur les liens qu'on fait de d'oxygène. C'est qu'il y a des moments où on va avoir... Bon, je pense que là, c'est pas mal. Hein. Là, si on a ça, c'est pas mal. On va aller voir notre journal de bord. Si Stregat a trouvé ta radio, on peut... Voilà, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est... Regardez-moi cette glissade. Ah là 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 là. Incroyable. Bon, on change de radio. Change de radio. On va aller en Roumanie maintenant. Radio intense. High Energy Folk Party Music from Bucarest, Romania. Donc c'est de la musique intense apparemment. Ça a changé, hein. Kingston et la Roumanie. Je pense qu'on va avoir des choses différentes. Si tu cherches pas, c'est pas grave. Ça c'est bien parce que c'est une petite bonbonne. Donc ça on peut la mettre à l'arrière. Donc on a plusieurs petits boutons, comme vous pouvez voir, je vais zoomer un petit peu. Et on peut stocker des trucs à l'intérieur. Maintenant je peux collecter des trucs avec mon petit pistolet. Alors le petit pistolet c'est pas vraiment un pistolet, c'est plus un aspirateur. Comme on le montre le pistolet, donc on va là. Là je peux le mettre sur le côté. Maintenant je vais pouvoir utiliser mon petit truc. Donc je vous montre, ça ressemble à ça. Et maintenant il va falloir que je puisse l'utiliser. Et vous allez pouvoir voir que j'ai aussi une mini imprimante dans le dos. Qui va me permettre, je vais pouvoir remettre la caméra. Qui va pouvoir me permettre de justement. Ah non! J'ai tout cassé! Le jeu? Ah. Le jeu n'aime pas Radio Garden. Et Radio Garden n'aime pas le jeu. Ouais, c'est bon. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir aller du coup du côté de mon. Mon début d'oxygène. Début de recherche d'oxygène. Donc oui, moi je me suis dit, ouais, vu qu'on est perdu sur une planète, etc. Et qu'on n'a pas spécifiquement de... Alors, comment on utilise le pistolex? Je m'en rappelle plus. Comment on utilise... On va checker. Tac 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 tac. Outil de terrain, c'est E. Donc c'est, voilà, c'est un gros aspirateur. Du coup, je peux manger le sol. Ensuite, je récupère. Là, c'est un filtre d'oxygène, donc ça, c'est bien. Je vais pouvoir le rajouter. Hop. Permettre de faire des filtres.
Ah ouais, je lance Radio Garden et pas France Bleu Gare Lozère, super. Et ça parlait de cailloux. Eh bah écoute, c'était un peu l'idée. C'était que en fait, il y a des. Y a des je voulais prendre les radios françaises, mais je me suis dit, bon, on va vous. Voilà. Là, il y a un filtre d'oxygène qui est plein, donc ça, c'est bien. Va le prendre. Et on va prendre ça aussi. Ah! Bah! Il y a tout qui a été jeté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Objet bizarre. Ah, mais ça, c'est le début de la recherche. Ah non! Ah non, j'ai envoyé un truc! Oh merde, pardon. J'ai envoyé un symbole dans le ciel. Quel enfer. Et ça, c'est de l'éclairage. Ça, c'est bien, ça. L'éclairage, c'est pour la nuit. Parce qu'en fait, il faut de l'électricité pour ça. Donc, on va aller mettre ça. Mon son est pas trop fort par rapport à la radio. Ah, je vais baisser un peu le son. Voilà. Normalement, ça devrait être pas mal. On va la mettre là-bas. Voilà, il faut un connecteur. Donc, du coup, pour l'instant, on s'en fiche. Le nettoyage, hein, de toute façon. Je crois qu'il y avait un truc dans le sac qu'on a. Le sac, il a balancé tout. L'échantillon. Maintenez pour scanner. Octets gagnés. J'ai gagné des octets. Ah oui, il y a des octets de recherche, je crois. Continue. On va nettoyer ce débris. Ah, pic. Attrape-le! Ah mince, j'avais oublié qu'on pouvait mourir. F maintenant pour ouvrir l'astropo. Ok, appuyez pour fermer. Et du coup ça on peut le récupérer. Je crois qu'on peut faire de la récup. Mettre ça là-bas. Toujours dans la région des montagnes, bien sûr. D'autres. Alors, on va essayer de sortir tout ce qu'il y a dedans et le récupérer. Alors, on essaye de nettoyer ce coin. Ah! Hop, là, ça va glisser ici, je pense. Récupérer ça après. Petite récup tranquille, hein? Petite récup de chantier. Hop! Alors, normalement, ça on peut le récupérer aussi. Voilà. Intéressant. Je sais pas comment on va l'utiliser, mais on verra. Tombe bien, hein? Ouais, encore un peu. Encore un peu. Oui. Encore un peu. Non, à gauche, à gauche, à gauche. Oh là 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 là. On était pas loin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore des débris? Je devrais me faire des marches. Je pense que ça peut être plus sympa. Parce que c'est pas descendu plus loin. Allez, hop. Donc oui, on peut jouer en multi. Là, je joue avec le Game Pass. Donc si vous avez potentiellement le Game Pass, c'est gratuit en ce moment. Enfin, gratuit. Le Game Pass, quoi. Et on va continuer notre montée de la montagne. Alors. Ça, il faut que je sais plus comment l'utiliser. Allez! Allez! C'est pas 88 degrés qui va nous embêter. Bonjour Ringbell! J'espère que ton stream se passe bien. On arrive dans pas longtemps, t'inquiète pas. On fait un petit jeu de balade, bien sûr. Ah oui, je crois que ça c'est un peu agressif. Vigne rebondissante, déracinée pour récupérer les graines.
On fera ça beaucoup plus tard, hein, parce que pour l'instant, on n'en est pas là. Ah, là-bas, il y a des débris aussi. On va aller chercher les débris. Hop. Comment on utilise déjà ce côté-là, du coup? Bon, un jour, je m'en rappellerai. Il y a moyen d'utiliser directement. Je regarderai le... gameplay un jour. Hein. Voilà. Ici, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Un débris de... M'inquiète pas, merci. Oui, on va faire un shoot-out aussi pour Heavy Metal. Alors, attendez. Hop, hop. Ah! Ça, c'est bien, c'est une pile. On va récupérer la pile. Elle va se charger sur moi. Et ça, c'est cool, ça. Hein. Aussi. Alors ça terraforme beaucoup, mais vous inquiétez pas, on fait de la grosse récup. Hein. Regardez bien, on est en train de nettoyer pour l'instant. Moi je suis pas très terraformeur dans ce genre de jeu, donc là je suis plus dans le système de... Si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas hein, bien sûr, à ce grand gameplay où je fais n'importe quoi. Alors... Parti trop loin. Le jeu! Arrête-toi! Pourquoi il continue à courir? Je vais mourir là! Il a inversé. Il s'est mis en QWERTY. Quel enfer! Non, c'est bon. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, hop, le débris. Là, il y en a là. Bon, c'est particulier la musique roumaine, hein. En vrai. Là-bas, ça doit être bon. Ah, ça doit être bon. Bon, après, on va retourner, on va changer la radio parce que... On capte des trucs bizarres de loin. Hop. Voilà, je pense qu'on est sur la bonne, sur le bon côté de la montagne. Hop, hop, hop. C'est incroyable que le jeu il tourne bien. C'est beau hein, quand même cette histoire. Là, il y a un débris encore. Alors, je vais vous préciser après ce qu'on nous on récupère quand on terraforme. Parce qu'en fait, en vrai, on terraforme, mais on récupère de la terre, ce qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Hop, hop, hop. Maintenant, on va s'organiser un petit endroit de casse, bien sûr. Chercher tout ce qui est de la casse. Ah, parce que pour l'instant on n'a pas de truc pour pouvoir transformer tout ça. Alors, bon, ok, on va tout mettre ici. C'est pas très loin. C'est un peu loin quand même de là. Donc on va tout. On va mettre la lumière aussi. Hop. Piou. Connecteur. Piou. Lumière. On va pouvoir déplacer un peu plus loin peut-être. Je crois que la longueur d'un connecteur est loin quand même. Oui. Mettre notre casse ici. Ah. Ok. Et maintenant, notre casse, ça va être là. Comme ça, on s'organise. La casse lumineuse, on va l'appeler. Casse lumineuse, bim.
Voilà, et comme ça il y a des débris directement dedans. Ah oui, c'est vrai que si on prend les débris, on les met à l'arrière, ça se transforme de mémoire. C'est pas un truc comme ça? Ou faut les mettre dans des emplacements spécifiques à débris. Là, je vois que ça s'est transformé. Ouais, c'est bien. Regardez, ça fait un paquet de débris après. Pas mal. Donc encore un jeu infini, hein, bien sûr, vous reconnaissez les vrais bails. On va transformer. Oh là, j'y arrive pas. J'ai pas trouvé ma radio, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. J'arrive pour le shootout, une belle 2 minutes. Ah! Voilà, on va changer la radio. Déposer des trucs aussi. On va mettre ça. Ça là. On va le mettre là. Ça a l'air d'être vraiment l'enfer. Une mission de sauvetage se révèle, mais il y a encore des données à récupérer sur le Triton. Okay. Donc ça, je pense que ça peut nous aider à savoir où on va. Le filtre d'oxygène fournit 80 secondes d'oxygène non rechargeable. Donc je pense que là, c'est mort, hein, du coup. C'est un débris, non? Et du coup, les piles qui permettent d'avoir un peu plus de lumière. Changement de radio. Crois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, non? Collecte de composite, collecte de résine. Ah, on n'a pas fait ça? Ah! Mais le composite, je crois que c'est la terre. Et la résine, c'est sans doute les arbres. Poser ça ou pas? Ça a pas l'air bon. Bon. Bon, on va aller chercher des pains. Hein. Alors là, vous allez voir, je vais peut-être mourir sur le chemin, parce que c'est ce qui m'arrive. Organique. Alors il y a un système pour pouvoir juste récupérer et aplatir de mémoire. Donc là vous avez vu, je récupère de la terre. J'en ai un. On va aller nettoyer de ce côté-là comme celui qu'on va récupérer les débris de toute façon. De les petits arbres. Bon. Ça commence à motiver la musique romanienne, comme on dit, roumaine. Ça devient énorme. Oh, mais c'est trop bien, des rallonges. Ça, je veux des rallonges, c'est bien ça. Alors du coup, là, j'ai de l'organique, mais est-ce que ça suffit? On va changer la radio aussi. Hein. Stockage moyen. Ah non, mais ils ont dit que c'était bon. Non, je sais plus. Ah! Oh, regardez! C'est joli! Collecte de composite 0 sur 4. Faut que je dépose où? Dedans? Deux. Je sais pas où faut que je les mette, je me rappelle plus. Bon, on va essayer de faire ça hein, déjà. On est deux, il m'en manque quatre. Alors je vais juste checker comment on fait pour terraformer gentiment. Vers la minute déformation mode créatif, c'est quoi ça? Y. Mais ça s'appelle la manette ça. Modificateur, ajouter terrain. F. J'avais dit qu'on changeait la radio. Je vais changer la radio. Hein.
Alors, après Radio Intense, on fait Radio Viva o Samba de Rio Janeiro. La Sublime Tropical Radio. Voilà, ça dit ce que c'est. Hein. Hop, changement de radio. Où les mettre? Peut-être à l'intérieur, on n'est pas encore entré dans le sas de décompression. On va aller chercher nos débris. Il y avait une histoire de couleur ouais, sur la ligne. Attends. Il en faut 4 là. 3. Ça pousse comme ça maintenant. Volté. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? On peut replanter! Avant, on pouvait pas replanter, c'est trop bien. Vite, on n'a plus beaucoup d'oxygène. Je crois que la radio, elle a bugué. On en a 4 là ou pas? Oui, je crois. Hein. Dans pas longtemps. Hein. Ah, ça y est. On recapte la radio. Ok, c'est bon. L'organique, c'est bon. Maintenant, il nous faut la résine. Je me rappelle plus comment on récupère la résine. Peut-être que la résine, c'est les débris, remarque. Attendez, on va regarder. Ça, c'est ma casse lumineuse. Attends. Voilà. Ça, c'est pas de la résine, ça? Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah oui, mais c'est ça, il faut transformer l'organique en composite. Votre truc. Non? Je peux pas rentrer dedans. Ah bah oui, c'est ça. Alors. Mais je t'ai rien donné, c'est normal. La résine, c'est quoi? Une résine, faut trouver une résine. Oh là là. Sur les arbres. Ça paraît logique, oui. Va commencer par là. Te donne. Tu veux pas prendre. Pourquoi il veut pas prendre ce... C'est... Mais... Il se passe quoi? Le jeu! Pourquoi je peux pas imprimer? Attendez, je vais rentrer dedans. Peut-être que c'est l'imprimante, elle fonctionne pas tout de suite. Faut que je fasse un truc. Ah non, entrée, c'est une base permanente. Crois qu'il faut faire dodo à l'intérieur. Ah non, ça sauvegarde juste. Ok, bon bah. Ah, la résine, ça ressemble à quoi alors? Du coup, c'est du composite, non? Résine, c'est jaune. Sur les planètes, comment on trouve? Il y a pas mal de trucs à récupérer. Je me rappelle plus comment. Et ça me fatigue. Prends! Mange! Mange ma cam! Imprimante de malheur! Comment on fait pour qu'elle accepte? Ah, peut-être qu'il n'y a pas la place. Peut-être que je l'ai mis un peu trop... Bon, il me fait chier, hein. Mais la graine, elle a explosé! Je vais mettre tout ça ici. Collecte de résine, oui. Réoutillage, débloque l'imprime et fixe le module boost à l'outil de terrain. Débloque imprime et fixe le module. Mais ça, c'est autre chose. Collecte de composite. On en a 4. Collecte de résine. Ah, la résine, c'est ça, je crois.
Non, mais ça, c'est un truc de recherche. C'est où? C'est où la résine? Je me rappelle plus. Comment on fait fonctionner ce truc? Une énergie par seconde. Mais oui, mais d'accord, mais tu prends pas mon truc. On a de l'organique, donc du coup... Ah mais il prend pas l'organique, c'est pour ça. Nick, Nick et moi. C'est ça, il prend pas l'organique. Bon allez, c'est pour ça. Salut Jazz Game, tu débutes? Non, j'ai déjà fait une partie. Genre juste avant... Ah bah c'est ça la résine. Genre juste avant... juste avant de partir de la planète. En fait j'avais vu pas mal de choses. Ça la forme pas du tout, hein. C'est pas du tout un trou que vous pensez que je fais mal. Oui c'est jaune mais je sais plus où c'est. J'ai oublié. J'ai oublié, ça fait un an que j'ai pas joué. Voire même plus en fait. En vrai. Là on a pris plein de trucs mais c'est des trucs qui nous servent pas mais on va faire autre chose avec. Vous inquiétez pas. Hein. Regardez, on a une petite imprimante pour ça. Hop. Non mais ça c'est pas du tout ça. Oh. Oh. Voilà. Ouais, on va faire un autre truc. Là c'est du composite. Imprimante moyenne, on peut refaire une imprimante moyenne, ça, ça peut être pas mal. Bim. Ça fera deux imprimantes. Est-ce que ça sert? C'est une imprimante moyenne ça? Non, c'est une petite. Ah, c'est très bien. Examiné, valide. Regardez bien, ça imprime en 3D, c'est beau. Attendez. Ah. Dans le biome vert? Ah, faut creuser dans, dans le vert. Ah, ok. Moi, j'ai plein de ressources par terre, pas tout plein de ressources différentes. Ouais, ouais, ouais. Mais nous, on fait la découverte, genre, en mode survie. Hop. Hop. Je sais plus comment on tourne. Je crois qu'il doit y avoir un truc genre R. Non, même pas. Ah oui, c'est vrai, c'est mon imprimante, le R. Alors, attendez. Bon. Comment que je la connecte? Chut. Chut. Accepte. Accepte le courant. Non. Si t'as moyen de me savoir les bases, c'est-à-dire genre juste comment on tourne ce truc là, moi je veux bien. Je prends. Bon, on va le poser comme ça, peut-être que... Connecte-toi s'il te plaît, respecte-nous. T'imprimante. Enfin, je suis sur le clavier là actuellement. On va s'arrêter dans pas longtemps en plus. Faut que je... Bon, attends. Je vais changer la radio. La radio, ça vous va ou pas, Radio Samba, là? C'est Vivo Samba, je crois. Bon, on va aller dans le biome vert. Mais on va creuser, du coup. Moi, j'ai pas trop envie de creuser. On va faire un trou ici. Après, on va le reboucher. Comment on rebouche, mais... Notre grotte. Ah ouais, j'avais oublié qu'il faudrait remonter après. Et là, je vois, je mange rien en plus. C'est nul. Ah, la lumière. On va mourir ici. Mon dieu, c'est où qu'on est? Où est la sortie? Elle est là. C'est dur de survivre seul. Ouais, bon, c'était pas ici. Hein. On m'a menti, hein, encore une fois. Bon. Collecte de composite, la résine, on l'a toujours pas trouvé. On en a 3 sur 4, c'est déjà pas mal. Alors là, moi, pour moi, j'en ai 4 sur 4, hein, mais nique le jeu. Hein. On va déposer les débris, parce que je vois pas l'intérêt de les garder. On va les déposer dans notre casse lumineuse, qui n'est plus connectée d'ailleurs. Voilà. Hop. 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 On peut créer des rallonges. Vas-y, fais des rallonges. Moi, je veux des rallonges. C'est bien les rallonges. Merci. Ouais, mais j'ai creusé, ça n'a pas marché. Donc, je pars sur le fait qu'on va faire des rallonges jusqu'à... Jusqu'au chemin. Allez, hop. Bim. Il y a un moyen de le faire plus rapidement, mais bon, voilà. Vous avez compris que je ne me rappelle plus. Direction le trou.
On va faire en sorte que ce trou ne soit pas du tout accessible. Hein. Pas mieux comme ça. Il nous faudrait la lumière. Mais bon, là pour l'instant, notre conducteur d'oxygène... Et oui, là tu vas être bloqué. Tu connais bien les jeux. Non, on découvre, hein. Je crois que Striga, tu découvres aussi. Allez, va au fond. Que tu me guides avec ta lumière d'oxygène. Hop, voilà. Allez, on va pouvoir se lancer dans ce trou. Ha ha! Voilà, hop, ici ça va être notre endroit favori de posage. Remarquez que je ne trouve rien. On va mettre un oxygène ici. Hop, tu es ma corne de brume. Mon chemin vers l'extérieur. Merci. Là, regardez, si je regarde en l'air, j'ai juste à suivre les fils. Haha ! Le jeu, tu avais pas pensé à ça. Hein. Salut ! Bon, attention parce qu'il y a des trous, hein. Après, il y a des catas en dessous. Hein. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de vœux jaunes. Mais j'y crois. On va faire une salle ici. Et on va habiter là. Je pense que c'est pas mal d'habiter ici. On sera protégé de comme tous les êtres humains seuls sur une planète. On est humain d'ailleurs. On a besoin de vivre dans une grotte, hein, bien entendu, avec des stalactites et des stalagmites, de préférence très humides, pour bien attraper toutes les. Ah, j'ai plus d'oxygène. Vite, rallonge. Ah bah ça y est, c'est bon. Ah bon? Je suis le seul français qui fait... Ah mais incroyable, voilà, bienvenue hein, les français qui ne jouent pas à Astronir alors que c'est trop un jeu mignon. Bon, alors... Ah! Ah, j'ai cru qu'on avait trouvé un pistolet, mais non, pas du tout. C'est pas du tout n'importe quoi ce que je vais faire, bien entendu. Comment on fait pour choisir ce truc là, sur le côté là, sans aller dans ce truc là? Purée! Et maintenant, regardez... Le chemin est illuminé. Je n'y avais pas pensé. Bon, pour l'instant, on a toujours pas de résine. Hein. Donc, je pars sur le fait que ici, c'est vide. Comment tu sais... L'outil de terrain. Mais tu l'as dès le départ, le pistolet, non? C'est pas ça que tu parles? Enfin, le pistolet, le... On va se barrer là-bas. Hein. Salut! C'est pas en profondeur. Bah, là, du coup, on va aller se balader du côté du vert. Ah, c'est là-bas! Regardez! C'est jaune! Regardez la vie. La vie, la vraie. C'est jaune! Vite, sort ton outil. J'avais oublié que ça ressemblait à ça. Voilà, c'est bon. Bon, de toute façon, on a besoin d'une grotte. Hein. Donc, partez sur le fait qu'on a bien avancé sur le reste. Ah, je peux plus rien prendre. Ah, la vie, l'oxygène! J'ai pas accès aux autres options de l'outil terrain? Non. En fait, il y a un truc que moi j'ai beaucoup joué, c'est sur la récup. La récup et... bah écoute, moi je peux pas t'aider plus que ça. J'ai fait gros constructeur avec le débris en fait. Grosso modo, c'est ça que j'ai fait. On change la radio. N'hésite pas si tu as une radio à proposer. Là, on se balade. On est sur Radio Garden. On a une radio qui est défectueuse en tant que survivant de... Pas exactement quoi. Ah! Ah oui, Radio Garden qui fait tout bloquer, bien sûr. Excusez-moi, je reviens. Hein. Voilà. Lagos, Jump Radio, c'est là-bas où on va. Pulsating Afrobeat, ça a l'air pas mal. On va voir si ça tourne tout seul. Hein. Alors, on a fini en quête de ressources. Ah non, il me reste deux encore. Bon. Non, il m'en reste deux.
Non, pas celui sur lequel il y a. Là-bas, il y a. Là-bas, il y a encore quelqu'un qui est décédé. Bon, bah, ça a l'air de bien se passer hein, dans ce monde. C'est pas du tout hostile. Regardez, il y a des fèves géantes. C'est trop bien. Donc, il faut creuser. En général, c'est au même endroit. Après, on remettra un peu de. Remettra un peu d'aplomb tout ça. Pour l'instant, le quartz c'est pas très intéressant. Après, on verra. Voilà, c'est bon. Vite! La vie! La vraie! C'est où que j'habite? C'est où que j'habite? J'ai pas l'impression que c'est là-bas. C'est où que j'habite? Il y avait les fèves. C'est là-bas! Ah, la vie! On va mourir! On va mourir! Non! Vite! Cours! Vol! Quelque chose! Je sais plus si on meurt d'un coup ou pas. Allez, on est juste à côté. Allez, encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Suffocation, tout va bien. Ok, c'est bon. Tout est validé. Et du coup, on a plus de composite. On a plus d'organique. Attends, c'est quoi que tu m'as dit? Le composite, on l'a pas? Attends, mais le composite, on l'a récupéré tout à l'heure. Ah, mais c'est parce que j'ai utilisé, je suis bête, j'aurais pas dû l'utiliser. On a fait ça et on sait même pas comment le connecter. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on a pas assez pas assez de puissance, là. Bon. Je sais plus où on a trouvé le composite, en plus. C'est où qu'on a trouvé composite déjà? Le composite. Du coup, oui, tu parlais du composite, mais du coup, je ne savais plus où c'était. Ça va dans ma casse lumineuse. Je prends. Casse lumineuse. Hop. En tout cas, Jazz Game, si tu joues, moi, je les avais débloqués, hein, tous les trucs. Ah, c'est là les composites, c'est vrai. J'avais débloqué tout l'attirail parce que moi j'avais focalisé sur la création donc du coup d'imprimantes et d'énergie et d'oxygène parce que j'ai fait le jeu en aventure aussi mais bon moi je joue comme si j'étais en survie donc le truc c'est que forcément l'aspirateur est important. Alors, c'est où? Enfouissement. Remplis un petit silo avec de la terre, ça on l'a fait ça. Et en quête de ressources, ça on l'a fait. Non, on a gagné des trucs à désemballer. Ah oui, ça c'est pour ranger. Alors. Ça c'est chiant parce qu'il faut un champ de ce truc-là. On va le mettre à côté du trou. Vous allez comprendre. Le trou va devenir très important. Alors, c'était bien à l'époque où j'apprenais à tourner ce truc. Non, ça c'est des emotes, ça. Comment on tourne? Texte gauche, contexte droit, c'est FC. Ça peut être ça, hein. CV. Ça peut être ça. D'action R. Oui, c'est ça! Donc, on va le mettre à côté des trous, parce que ça va être important. Et en plus, nous, on va se débarrasser au fur et à mesure de ce qu'on a sur le dos. Pas résine tout de suite parce qu'on a besoin. L'organique, peut-être, on n'en aura pas besoin beaucoup en vrai. Ça va être surtout du combustible à un moment. Le composite, ça nous va faire les rallonges. On peut faire autre chose. Le filtre d'oxygène, c'est pas mal. Petite bonbonne. Ça, c'est bien ça. Donc, on va faire les bonbonnes parce que ça va nous permettre d'équiper notre pistolet de choses. Voilà. Là, par exemple, il y a de la terre dedans. Naturel, ça c'est important. Les petites bonbonnes, c'est nécessaire. Et on peut le garder dans le dos. Et ça c'est bien. Donc on va le faire aussi dans le dos. Et comme vous pouvez voir, là je suis en train de recharger. Ah oui, j'utilise mes piles de l'imprimante. J'avoue. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut stocker plus, du coup. Hop, on va se faire un petit coin. Hop, comme ça. Quelle heure il est? 11h24, je vais bientôt partir, c'est quel enfer. On va sauvegarder. La musique est pas mal, hein?
La musique est pas mal du Lagos là. Et faut qu'on réussisse à faire fonctionner ça, 2 unités par seconde. Alors du coup, il nous faut plus d'unités d'utilisation, je crois. Alors attendez, on va checker. C'est possible que ce soit pas ici exactement qu'il faut le faire. On va désemballer ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Bon. Ah oui. Ah mais c'est ça qui nous manque. Bah voilà. Parce qu'en fait, il faut une base de ressources. Et voilà. On va mettre nos machines là. En fait, logiquement, faudrait pas que je mette là. Faudrait que je mette là. Hop. Youp. Ah oui, c'est sur les 4 côtés. Bon, c'est bien. Ah non, mais attendez. Parce qu'il y a un sens. Voilà. On va prendre ce câble-là. Respecte-moi, merci. Et tu te plugues derrière, sur le côté. Oui, c'est bien, très bien. Sur le côté, c'est bien. Ah oui, et du coup, ça augmente notre portée de rallonge. Ha 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 ha! On va la mettre là. Ça va nous faire notre côté de rangement. Hop, plug. Et voilà! Faire bonne impression. Imprimante grande. Donc on va faire l'imprimante grande, on va aller chercher du composite. Est-ce que ça va nous aider? Oui, on va aller faire l'imprimante, parce qu'on a besoin des imprimantes. Beaucoup. Tourne. Il n'y a pas de respect hein, dans cette histoire. On va utiliser beaucoup de consommation. Là. Ouh là là! Rallonge, tu peux te mettre dans mon dos ou pas? Je vais me faire foutre avec toi. D'accord. On va faire un truc. C'est que vu que je suis en galère de ce côté-là. Alors, on va la mettre de ce côté. Mais. Le jeu! Pourquoi tu marches tout seul? Qui t'a dit de partir par là-bas? Personne. Et. Elle touche quand même. On galère pour aller de ce côté-là. Mais. Ah, ça donne pas d'oxygène, ça? Bon, d'accord. Alors, du coup, je comprends. Je comprends. Et au final, ça sert à rien, du coup, de ce côté-là. Parce qu'en vrai. On va faire comme ça. Là, ça part de ce côté-là, donc ça, c'est bien. Il y en a un en haut. Bien la musique. Et oui, Jazz Game, pour l'instant je commence solo, mais après si tu veux commencer à venir jouer, n'hésite pas. Hein. Pour l'instant on est tranquille. Là je débarque dans ma maison. Tu vois, je prends place. Enfin, comme ça au moins je pourrais revenir sans mourir. Pas la décaler un petit peu pour que ce soit un peu plus droit là. Non. Mais je crois qu'elle m'en veut cette rallonge. Voilà, merci. Game Pass, c'est accepté. Parce que je suis sur Game Pass aussi. Du coup, celle-ci, elle est du coup au mauvais endroit. On va peut-être mettre la lumière ailleurs. On va mettre notre casse ailleurs aussi. On va mettre la lumière ici. Comme ça va nous dire. Là, il y a un trou. Ouais, là, c'est bien. Bouge pas! Non! Dane! On va prendre ça. Ah oui, non, mais c'était mon connecteur avec le haut. Bon, c'est pas grave. Et on va mettre la petite ici. Voilà, tourner. Optimisation de l'arrivée d'oxygène. Hein. Avec les impressions. Les impressions. Donc ça, c'est bien. Hop, hop. Ça, on va le non, ça, on va décaler. On va le mettre de l'autre côté. Peut venir! La lampe. Non? Non? Ok.
On peut garder la lampe sur nous, hein. Et ça, c'est pas mal aussi. Je pense qu'on va se faire une lampe, parce que ça fait plus de lumière. Parce que moi j'avais des lampes là-haut, là. D'abord. Ça. Notre connecteur vers le trou, pour dire ici il y a un trou. Tout ça, je peux la garder. D'accord. Mais dedans, dans ton dos. Merci. Oui, le chat. Oui, je comprends. Il est... bah, alors, il est pas si compliqué à prendre en main, j'avoue. Moi, je trouve qu'il est pas très compliqué. Dans le sens où, si tu suis les débuts du truc, tu te laisses porter, ça va. Après, c'est vrai que il y a des moments où tu peux te sentir perdu. Ça, je comprends. Du composite, on va faire la grande imprimante. Le composite, le problème, c'est que c'est nécessaire. Et je crois que les composites, c'est du côté de la montagne. Après, il y a des trucs genre quartz, c'est enfin, des trucs un peu rares qui sont plus compliqués, qu'il faut aller creuser beaucoup, 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 beaucoup. On va peut-être prendre encore un composite. Oui, le chat. Ah, la porte, elle s'est fermée. Bah attends, j'arrive. Alors attendez, j'ai une urgence chat. Le chat me dit, faut que tu rallumes. Faut que tu ouvres la porte. Donc juste 2 secondes, on va se mettre là. Parce que c'est ce qu'on va faire après. Comme ça. Waouh, c'est joli ce qu'on fait. J'arrive. En vrai, on a bien commencé. Il est 11h30, normalement je devrais m'arrêter. Je veux juste vous montrer là, on va faire le début, on va faire toutes les imprimantes, comme ça c'est fait. Hop, cadeau! Je te donne des composites, parce que les composites c'est bien des fois. Ah! Attends. Mais... va là-haut toi. Donc là, vous voyez, on a de la terre, et là, on a un autre truc qui est jaune. Donc du coup, c'est autre chose. Désolé pour le bruit de travaux derrière. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, petite imprimante? Une grande imprimante? Mais je veux bien, oui. Envoie-moi la grande imprimante. Si on a une deuxième, c'est pas grave, hein. Tu peux me donner aussi. Ça a l'air de prendre du temps. Donc, si ça prend du temps, on va voir ce que nous propose... Faites bonne impression, bah c'est bon, on a fait ça. Problème de taille, on a des problèmes de batterie, on va devoir faire des batteries. Réoutillage, des blocs imprimés fixes, le module de boost, ça on va le faire. Lumière lointaine, ça c'est le mystère. Pour la science, imprimer et utiliser une salle de recherche. Ça c'est pas mal aussi, c'est vrai que ça peut aider. Ah bah tiens, c'est ça, ça va nous aider tout de suite avec l'imprimante, là. Déballer. La plateforme, cette grande plateforme-là, c'est pour le c'est pour la grande imprimante de mémoire. Alors, ah, on va te placer ici. Quoique non, on peut le mettre à l'opposé, parce que c'est une grande imprimante. Ça va me permettre d'alléger un peu de l'autre côté. Je peux faire... Alors, attends. Connecteur, hein. Prends le connecteur. Pas assez loin. Ok. Oh là là, c'est... La gestion des fils, là. Ah, merde. Ouh, la rallonge, là, elle est un peu de trop. Ah oui, c'est vrai que je peux tirer le truc... Ça enlève le fil, j'avais oublié cette histoire.
rallonge. J'ai besoin de la rallonge. La rallonge, merci. En tout cas, Jazz Game, n'hésite pas si tu veux checker comment je fais. Là... Ah oui, c'est vrai qu'on peut porter des trucs. Attends. C'est le livreur. Et voilà. Et nous avons enfin la grande imprimante. Donc du coup, elle est connectée? Oui. Voilà. Et maintenant, nous avons du coup notre sortie de... voilà, notre entrée. Hop, ça c'est un peu de trop peut-être ici. Remarque, non, remarque. Ça c'est mes... Ça, ah oui, il me faut un champ de ce truc-là. Pardon pour le vent. Un champ de ce truc-là, mais on va le mettre juste à côté de la du trou. Parce que je pense que là, jeudi, on va faire ça. Mais regardez, déjà on est pas mal. On est un peu autosuffisant, on est en oxygène. En électricité, ça va. Mais je te permets pas le vent. Et la casse est un peu loin par contre. Ouais, on va amener la casse quelque part. La casse, on va peut-être la mettre là. Ouais, remarque, la casse derrière le truc, ça me paraît pas choquant. C'est toujours comme ça que ça se passe. La casse derrière le truc, genre, tout est posé à l'arrache. Je comprends, je comprends. Ok, bim. Voilà. Ah, je peux l'ouvrir? Attends, y a des trucs dedans? Ah oui, non, mais ça, c'est bon. Broyeur. On va faire un broyeur après. Hein. Mais ça sera jeudi, je pense. Là, on a fait les grands principes, c'est ça. Déjà, on a ouvert le côté gauche, le côté droit. On a un petit trou qui est ici. On sait où repérer la résine, c'est là-bas. Et le composite, là-bas. Il me semble qu'on peut avoir accès à une carte, mais je sais plus comment c'est possible. Que je m'en rappelle plus. Et que c'est possible qu'il n'y en ait pas. J'ai besoin d'une rallonge ici, quand même. Voilà, merci. Le broyeur est très efficace parce que ça permet de se débarrasser des débris. Voilà, on est pas mal. Et donc du coup, je pense que on va aller explorer en bas. Et on va essayer de ressortir du côté de la résine là-bas, là. Je dis. Mais on peut checker d'abord ce qu'on peut faire avec la petite imprimante parce qu'on n'a jamais regardé ce que l'imprimante pouvait. Et un truc dessus, là, non? Y'avait rien dessus là? La verrouille. Et je la verrouille aussi. Je savais pas qu'on pouvait verrouiller et déverrouiller. Celle-ci était verrouillée toi ou pas? La petite imprimante. Donc du coup on peut faire une imprimante moyenne, c'est bon. L'oxygénateur, donc c'est ce qu'on va faire jeudi. Plateforme moyenne, on s'en fiche. Stockage, on aura besoin de beaucoup. Siège de rover, bon ça on fera aussi, mais ça c'est rapide. Petite bonbonne. Éclairage. Et de l'éclairage, ouais, il nous en faut. Automachon cosmique, ça je ne savais pas que ça existait. Sinistre sens, mais il y a plein de trucs que je ne connais pas. Incroyable. Et du coup, toi, tu nous proposes quoi, imprimante moyenne? Mais le vent, s'il te plaît, me fait pas peur. Salle de recherche, composite et résine. Ça, c'est pas mal. Plateforme de requête exo, grande plateforme A. B, squash cosmique, mais qu'est-ce que c'est? On peut jouer à du squash? Incroyable. Et abri. Donc l'abri, c'est ce qu'on a. Ça pourrait être intéressant de le mettre dans le trou. Burrito. Un burrito. Un abri et un burrito. Ok. Et du coup, quand on aura fait le début, est-ce qu'on a encore des trucs qui nous... Bon, bah c'est pas mal, là, le début, on est bien. On va sauvegarder. Je me sens rassuré, je pensais que j'avais foiré dès le début parce que j'étais mort plein de fois la dernière fois, je crois. Parce que j'étais parti. J'étais parti au loin. Bon. Bah merci en tout cas d'avoir été là, merci d'avoir été dans le coin pour ce stream. Je sais que c'est un peu particulier et un peu compliqué aussi de... C'est pas le genre de jeu auquel je joue non plus, mais moi je le trouve très joli.
Et du coup, on va essayer de l'augmenter. Et l'histoire de la radio, bah c'est bien, mais faut qu'on puisse l'augmenter, cette histoire. Je vais fermer. Je vais mettre la musique du stream. Et du coup, je vais vous laisser parce que c'est l'heure. On va aller voir Raving Bell, du coup, je pense. Du coup. Et Jazz Game, bienvenue. N'hésite pas à repasser si t'as envie. Jeudi, on continue à se tenir. Peut-être que vendredi aussi, mais pour l'instant, c'est pas sûr parce que j'ai pas encore d'idée. Ça sera à 10h, entre 10h et midi aussi. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez me faire un petit big up dans le jeu. En soi, ça me dérange pas trop. C'est juste que j'ai l'habitude de jouer solo à ce genre de truc, donc voilà. En tout cas, à la prochaine. Et merci pour le follow. J'ai pas vu le follow, je l'ai pas entendu. Mais merci pour le follow. Et merci Fred aussi pour le partage. Cœur et attends. Cœur et fraise. Je sais pas si j'ai une fraise là-dedans. Oui, là. Et bien sûr, merci Strega aussi d'avoir été là. Bien sûr, attendez, attendez. Résumé du stream. Bravo Jazz Game pour les 1197 caractères, bravo Strega pour les 859 caractères et Raving Bell pour les 64 et attends Fred 38, bravo le meilleur lurk de tous les temps. À plus, n'hésitez pas à voir, il y a des événements ce week-end qui sont intéressants. On va en reparler je pense dans le futur, mais n'hésitez pas à aller voir. À prochaine. Ciao.